Dans la vidéo précédente, on avait vu de manière un petit peu intuitive, comme ça, un peu légère, comment est-ce que dans certains cas, on pouvait modéliser un nuage de points, si la forme l'autorisait, par une droite qui donnait une idée de, de ce nuage de points. Alors, dans cette vidéo et dans celles qui suivent, les quelques-unes qui vont suivre, on va essayer de, de, de trouver une formule pour déterminer cette droite-là de manière, de la meilleure manière possible. On va essayer de trouver la, une formule qui donne la droite qui ajuste au mieux un nuage de points. Alors bon, ça va être un petit peu compliqué, là, on va s'embarquer dans quelque chose qui va être mathématiquement un petit peu, un petit peu complexe, un petit peu lourd. Euh, donc si, si, si ça te décourage, si tu n'arrives tu pas très bien à suivre jusqu'au bout, ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de retenir cette formule qu'on va finalement réussir à, déter, à trouver. Voilà, c'est ça qui va être important. D'ailleurs, très souvent, on ne démontre pas forcément cette formule. Et il, faut savoir, il faut la connaître et puis savoir l'utiliser. Mais bon, je trouve que c'est assez intéressant et assez satisfaisant d'arriver à la démontrer soi-même. Donc là, on va essayer de le faire. Alors, je vais commencer par me visualiser un petit peu la situation. Donc pour ça, je vais tracer un nuage de points. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un nuage de points dans un premier cadran. Ça, c'est vraiment pas du tout obligatoire. De placer, d'avoir un nuage de points où tous les points sont situés dans le premier cadran. Mais là, c'est ce que je vais faire pour simplifier un petit peu le, le dessin. Donc, je fais déjà mon repère avec le premier cadran. Et puis, je vais placer des points, évidemment, là, complètement au hasard. C'est vraiment uniquement pour, pour visualiser la situation. Donc, j'ai ce premier point-là que je vais noter X1. Y1, voilà, ça ce sont ses coordonnées. Puis après, j'ai d'autres points. Donc, j'ai par exemple celui, euh, je vais prendre une autre couleur, celui-ci, que je vais appeler X2, Y2. Donc, ça ce sont ses coordonnées. Puis j'ai d'autres points. Alors, je place comme ça. Voilà, j'en ai plusieurs. Et puis, du coup, si je, si je dis que j'en ai N, ai, voilà, je vais placer maintenant le dernier point, le dernier point ici. Que je vais appeler xn, xn, yn. Donc, ça, ce sont les coordonnées du n point. Évidemment, je ne les ai pas tous dessinés, hein, ça ne serait pas possible. Là, je fais un dessin indicatif et général. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remplacer ce nuage de points par une droite, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Donc, je vais là essayer de tracer une droite approximativement, hein, une droite qui pourrait. Euh, remplacer ce nuage de points donc qui va essayer en fait le but qu'on se fixe hein, c'est d'essayer de trouver la droite qui va passer le plus près possible de tous les points hein. donc je peux voilà faire une droite de ce genre là par exemple euh, oui, je peux même je vais essayer je vais, je vais la tracer peut-être que voilà, comme ça ça sera un peu mieux voilà on va dire que cette droite là ça va être la droite qui va passer le plus près des données ici. Bon, évidemment, là, je la dessine au hasard. Hein. Je n'ai aucune indication à part ce que me dit mon intuition, donc c'est très approximatif. Et euh, la seule chose que je sais, c'est que cette droite-là, c'est une droite, donc elle a une équation. Et son équation, c'est quelque chose de ce genre-là. Y égale MX plus B. Donc ça, c'est ce qu'on sait hein, depuis longtemps. Euh, une équation, ça s'écrit, ça a toujours une équation de cette forme-là, avec ici m, c'est la pente, la pente, ce qu'on appelle la pente ou bien le coefficient directeur. Et ça, ce b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc en fait, c'est ici ce qu'on a, là, ce point-là, l'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est le point de coordonnée 0b. Voilà. Alors évidemment, quand on remplace notre nuage de points par une droite, on fait des erreurs, puisque tous les points ne sont pas du tout sur la droite. Donc on fait des erreurs. Alors ce qui va être important, c'est d'arriver, ce qu'on va essayer de faire, hein, c'est de mesurer ces erreurs. Alors euh, l'erreur qu'on fait quand on remplace par exemple ce point-là par le point qui est sur la droite, donc ici on est à une abscisse de x1, et en fait on remplace ce point-là par le point de même abscisse, mais qui est situé sur la droite. Donc c'est ce point-là ici. On va, en fait, quand on remplace le, nu le nuage de points par cette droite, on remplace en particulier ce point-là par ce point-ci, qui est situé sur la droite. Même abscisse, mais situé sur la droite. Donc on va essayer de mesurer l'erreur qu'on fait ici. Alors l'erreur qui est là, je vais l'appeler erreur 1 par exemple, eh bien, on peut la mesurer, hein. c'est. Euh, en fait, tout se joue sur l'axe des ordonnées. On va mesurer cette distance-là. Hein. Voilà. Alors cette distance-là, qu'est-ce que c'est j'ai y1 au départ, ça c'est l'ordonnée de mon point, et je, fais, je vais soustraire cette ordonnée-là, cette l'ordonnée hein, ordonnée de ce point-là. Alors l'ordonnée de ce point-là, comment est-ce qu'on peut la calculer Tout simplement à partir de l'équation de la droite. Donc c'est m, puisque ce point-ci a pour abscisse x1, plus b. Alors voilà, ça c'est l'erreur qu'on fait quand on remplace ce point-ci, de coordonnées x1, y1, par ce point-là qui est situé sur la droite avec la même abscisse. Alors évidemment, bah tu vas me dire, on, ce qu'on fait c'est quoi, puisque on ne connaît pas cette droite-là. Alors effectivement c'est vrai, on ne connaît pas M, on ne connaît pas B, mais justement le problème qu'on va essayer de résoudre là, dans cette vidéo et dans les prochaines, c'est de déterminer ces valeurs de M et B pour que cette droite soit là, celle, qui, celle qui ajuste le mieux le nuage de points. Alors, on va continuer. On va maintenant mesurer cette erreur-là. L'erreur erreur qui est là, qu'on fait quand on remplace le, premier, le deuxième point par le point de même abscisse situé sur la droite. Donc, ça, je vais, vais l'écrire comme ça. Ça, c'est ce qu'on peut appeler l'erreur 2. Et ça, on va pouvoir la mesurer. C'est donc y2 moins euh, l'ordonnée du point euh, de la droite et qui a abscisse x2. Donc, celui-là, c'est mx2. 2 plus B. Voilà. Et puis je peux faire ça pour tous les points qui sont là jusqu'au dernier, hein, qui est le point de coordonnées Xn, Yn. Donc je vais pouvoir mesurer cette erreur-là. Ça, ça va être l'erreur N. Et celle-là, c'est Yn moins MXn plus B. Voilà. Alors maintenant, je rappelle, le problème, c'est de minimiser euh, l'erreur qu'on fait quand on remplace le nuage de points par, par cette droite. Alors, euh, le problème, c'est qu'ici, on va avoir certaines erreurs qui sont négatives, comme celle-ci, certaines positives, comme celle-là. voilà. Donc, ce n'est pas très pratique à utiliser. Ce qu'on va faire, c'est plutôt prendre le carré de ces erreurs. Et on va étudier quelque chose qu'on va appeler la somme des carrés des erreurs par rapport à cette droite. Hein. Et c'est donc les, la somme des carrés des erreurs, comme son nom l'indique. Donc je vais déjà prendre le premier, la première erreur, donc c'est l'erreur 1. Je vais l'écrire, alors je vais garder le même code couleur. Donc c'est y1 moins mx1 plus b, le tout élevé au carré, plus l'erreur, la deuxième erreur, donc c'est y2. Moins mx2 plus b, le tout élevé au carré, plus la troisième erreur élevée au carré, plus la quatrième erreur élevée au carré, plus jusqu'à la dernière erreur, donc la énième erreur élevée au carré. La dernière erreur, c'est yn moins mxn plus b, le tout élevé au carré. Voilà. Alors, Maintenant, le problème qu'on va se poser, c'est d'arriver à minimiser cette, cette somme-là, cette somme des carrés des erreurs. Et effectivement, si on minimise cette somme des carrés des erreurs, en fait, on va minimiser les, la somme des erreurs elle-même. Donc, on va déterminer la meilleure droite possible, celle qui va ajuster au mieux euh, le nuage de points. Donc, voilà, le problème qu'on se pose ici, c'est trouver les valeurs de M et B qui minimisent minimise cette somme là donc la somme des carrés des erreurs. Voilà c'est le problème qu'on va essayer de résoudre dans les prochaines vidéos. Là je vais arrêter bon ça va être un petit peu un petit peu technique hein, donc il faut il faut s'accrocher mais si tu passes c'est pas très grave je le répète. Hein. Donc là, je vais m'arrêter ici parce que je trouve que c'est bien d'y aller petit à petit quand on fait des mathématiques un petit peu compliquées, un petit peu techniques. Et puis en plus, comme ça, on va minimiser aussi les risques que je fasse des erreurs en, en faisant cette démonstration.